après beaucoup d'années, 7 ans presque, qui, ça, travail que nous entreprenons incomplété, c'est-à-dire la construction d'un multi de Durgama qui a 108 pieds hauteur et qui est le premier, un des plus hautes statues dans le monde de Durgama. Nous avons fait face à beaucoup de difficultés pendant ces années qui nous font construction. Beaucoup de difficultés, nous avons dit, difficultés climatiques, plus nous avons un handicap matériel, nous avons un handicap de côté main-d'œuvre. Aujourd'hui, il y a une fierté pour nous dire que ce statut-là n'est pas fini faire seulement pour nos camarades de la communauté haïtienne. Et dans tous les camarades de toutes différentes communautés présentes dans l'île Maurice, il y a une contribution. Nous invitons tous pour sa grande la prière qui courant le 30 septembre et le 1er octobre. Nous nous trouvons un jour pour nous lancer sa, nous pour faire son unveiling ceremony et nous vraiment pour vivre une réalité dans l'île Maurice à partir de ce jour-là. La prière Mangal Mahadev Shivji est incomplète si vous pouvez à côté de Shakti. Tout le monde fait un hall. Nous avons un débat distingué, l'homme spirituel de l'un, Pévini, un chasse, et en même temps, nous avons beaucoup de ici même dans l'île Maurice, beaucoup de prêtres, nous finissons presque tout. Et avec toute mon association, nous finissons le 30 septembre. Nous vous commencez le programme 6h à 10h du soir. Pour une bonne performance pour les enfants aussi, et de tous les linguistic groups. Et le lendemain, nous avons le 1er octobre, 9h30 à midi, pour une grande prière. Donc pour marquer un peu l'événement, nous finissons écrire au Guinness World Book of Records pour demander si éventuellement je tenais une catégorie de divinité. Donc éventuellement, nous assez optimistes, si cette catégorie existe ou les consultants de Guinness World Book of Records décident de créer cette activité, cette catégorie, donc Durgama peut être inscrit au Guinness World Book of Records. Mais parallèlement, nous faisons l'autre démarche et dans l'autre World Book of Records, nous appelons l'IMCA World Book of Records. Donc c'est un peu l'équivalent indien de Guinness World Book of Records. Nous l'écrions eux également. Et nous finissons par les procédures d'inscription. C'est un projet totalement laïque. Il est important de vous préciser parce que aucun fonds public n'a été utilisé pour ce projet. C'est un projet financé 100% par Van Devo et principalement en nature. Quel est le coût de ce projet-là? La plupart, c'était une time que nous avons gagné. Et puis, il y a beaucoup de travail volontariat. Ça devient un petit peu difficile exactement pour estimer exactement, mais ça coûte nous plusieurs millions de roupies.